Ce soir, on célèbre l'amitié, on célèbre les filles. C'est le temps de faire un chien aux filles. Merci. En fait, c'est vraiment une amie attentionnée. Elle va être à l'autre bout du monde, puis elle va être là pour m'écouter. Et elle a les meilleurs conseils, puis elle est vraiment attentionnée de ses amis. Marina, elle est très goofy, puis elle a pas peur du ridicule. Elle laisse tomber son cellulaire dans les toilettes d'un bar à 3h du matin, puis elle a aucun problème, elle allait le chercher, le faire sécher en dessous du séchoir. Zéro stress, elle sourit à tout le monde. Bonjour, tout va bien. Ça sera pas bien long, mon cellulaire sèche. J'ai besoin de mon téléphone dans la vie. Marina, c'est une amie extraordinaire. C'est l'amie que t'appelles quand t'as vraiment beaucoup de chagrin, t'as besoin de quelqu'un qui t'écoute autant que quand tu veux sortir, tu veux t'amuser, t'as envie de dire quelque chose de vraiment fou, elle va t'écouter, elle va rire avec toi. Marina est authentique. En fait, même si elle est connue là, de pas mal tout le Québec maintenant, là, quand tu vas quand même déjeuner avec, c'est quand même Marina qu'on a toujours connue. Marina, elle a une grande qualité, puis elle est insta-famous. C'est pour ça que c'est mon amie. Je dirais qu'elle est vraiment tête dure. Quand elle a quelque chose dans la tête, c'est ça, c'est juste ça, puis elle a raison. Quand elle est fâchée, elle est vraiment fâchée. Faut pas que tu sois le gars qui l'échappe en faisant une petite danse parce que, ouf, t'as mangé tout. Écoute, il y en a quelques-uns. Je les aime tous autant. Je vais y aller avec le défaut que je préfère chez Marina. C'est que Marina, c'est une fille qui est bornée. Elle est très fonceuse, très déterminée sur une idée. Puis moi, je le connais depuis très longtemps. Puis Marina, à 14 ans, quand elle me disait « Je veux que ton ombre à paupières soit couleur arc-en-ciel. » T'as mes yeux en paillettes, sinon je sens pas du tout. Vraiment, la chose qu'on sait le moins, c'est que Marina, c'est une fille qui est très, très vraie. Elle est très près de son cœur. Sa famille, ses amis, c'est quelque chose de très précieux pour elle. Et aussi qu'elle avait tendance à vouloir faire croire qu'elle avait des verres de contact de couleur bleue, puis elle voulait faire croire à tout le monde qu'elle avait vraiment les yeux bleus dans la vraie vie. Quand que tu la rencontres, elle est vraiment intimidante parce qu'elle est tellement une confiance en elle. Oui, elle a confiance en elle, mais autant elle a confiance en elle, autant elle a besoin de ses amis, puis c'est une perle. Elle est maniaque du ménage. Tu vas chez eux, là tu déplaces un verre, puis là, elle te le dit. Là, tu ramasses pas ta graine de toast, puis là, elle te le dit. C'est vraiment gossant. Marine est intolérante au lactose, fait que si elle boit du lait, elle mange de la crème glacée, du fromage, ben des fois ça y arrive de péter, mais juste un peu là, elle fait juste avec les gens qui allaient. Puis elle sac toujours. Ça c'est vrai. Bon, là je le sais là, elles ont dû dire un paquet d'affaires qui sont pas vraies. Faut pas les écouter, je suis pas folle puis je suis bien fine, ok? Mes amis, là, c'est la prunelle de mes yeux. Je veux dire, sans elles, on dirait que je perds le nord. Puis les amis qui sont avec moi ce soir, qui est hot, c'est que c'est des amis, là, de... Ça fait 15 ans que je les connais, ça fait 18 ans. C'est quasiment... C'est plus que la moitié de ma vie, là. Puis sans elles, on dirait que je sais pas où m'en aller. Ils sont là quand j'ai des questions pour me dire, non, là, ça va pas, Marine, là, t'es en train de perdre la tête, calme-toi. Ils sont là pour m'encourager quand j'ai besoin d'elles. Je veux dire, je remercie le ciel qu'elles fassent partie de ma vie. Parce que la vie sans elle, pour moi, c'est vrai.